bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 226 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Marvel Super Hero. Hero, avec l'accent anglais. Et donc sur PlayStation, et donc c'est un jeu de combat comme vous pouvez l'imaginer et comme vous avez peut-être vu sur la miniature de la vidéo que je n'ai pas encore faite en fait puisque je suis en train d'enregistrer la vidéo, forcément c'est compliqué de la faire avant. Donc c'est parti, Virgin Interactive, on va en faire quelques-uns des Marvel Super Heroes. Il y en a quelques-uns. Alors je pourrais pas vous citer les noms par cœur, mais il y a des VS, il y a des sortes de petits croisements. On va en faire 2-3 là. Enfin, j'ai pas encore vu, je sais qu'il y en a au moins 2-3. Voilà. Donc c'est parti. Alors c'est en anglais, mais on s'en tape un peu puisque c'est des jeux de combat. Donc il n'y a pas grand chose à comprendre, je vous laisse l'introduction. Oui, donc Marvel Super Hero avec une jolie vignette qu'on mettra. Donc on sait que c'est un jeu de combat, donc on va jouer en mode arcade, comme je joue toujours dans les jeux de combat, je fais toujours en mode arcade en fait. Donc c'est parti, on va sélectionner donc le joueur. Alors on peut choisir entre Spider-Man. C'est un peu spécial de choisir des super héros comme ça, en mode normal. Lui c'est donc Captain America contre Spider-Man. C'est parti, donc moi je suis Captain America, j'ai choisi un peu au hasard le personnage. Ouais, donc on a eu une petite intro et en fait ça vient de rechanger en image de chargement. D'accord. Donc c'est parti pour le round 1. Donc je teste un peu les touches que j'ai. Pour l'instant j'ai un coup de pied, j'ai un coup de poing, j'ai un coup de bouclier, j'ai un coup de pied dans les airs. Oh là là, je me fais pas allumer pour l'instant. Alors, j'essaie de trouver les coups spéciaux. Oh putain, l'enfoiré. J'essaie de trouver. Il fait mal en plus. Captain America, il prend des blessures assez intenses. Alors. Yep. Ah, je prends cher. C'est un peu compliqué de se mouvoir avec ce personnage. Alors, bon, je suis avec mon clavier, donc forcément. Je n'ai toujours pas fait l'acquisition d'une manette pour PC. Ce qu'il faudrait que je fasse, parce que vraiment, je joue comme une énorme merde. Ça pour vous dire, c'était mieux avant. C'était mieux sur la PlayStation. Même si j'ai jamais joué, en fait, du coup. Quand je vous dis, j'ai jamais joué à la PlayStation 1. Je n'avais pas d'argent quand j'étais petit. Mais pour l'histoire, si vous voulez savoir, vous allez voir l'interview que j'avais faite, qui est sur ma chaîne. C'était quelqu'un qui m'avait interviewé. Merde, je sais plus son nom. Ah, je sais plus, bon, en plus je suis mort. Et j'ai complètement oublié son pseudo. Je vais arriver à m'en souvenir. Bon, j'essaye aussi de gagner en même temps le jeu, c'est compliqué. Pour l'instant, je mets toujours quelques dégâts. On va essayer de gagner. J'ai déjà enlevé la moitié de la vie, mais vu la vitesse à laquelle il m'enlève mes PV, ça va pas le faire longtemps. Alors, j'essaye un peu de trouver les combos. J'ai pas trouvé de super attaque de fou. Ou alors, voilà, ce genre d'attaque de fou, regardez, ce genre d'attaque, ce genre de combo qui permet de faire des trucs de fou, comme il a. Et moi je ne sais pas, Saul, je sais pas comment l'utiliser, ça doit être la barre verte que j'ai, mais je ne sais pas. Je n'y arrive pas, c'est peut-être surtout parce que j'ai mon clavier, et là je suis arrivé à le tuer. À le mettre KO du moins. Donc on a un round partout. Et on va essayer de gagner ce combat, ce qui n'est pas gagné. Oh là, c'est qui n'est pas du tout gagné vu la trempe qu'il est en train de me mettre. J'ai enlevé la moitié de la vie, j'ai rien compris. Regardez, il m'envoie de la toile à distance et ça fait mais super mal quoi. C'est même pas un coup au corps à corps, il fait super mal. Et je suis censé être le plus musclé quand même et au corps à corps je devrais quand même l'emporter. Et pas du tout, et je me fais déglinguer. Prochain coup, je suis KO. Voilà. Je suis KO. Donc j'ai perdu ce combat. C'est super génial. Voilà, Marvel Super Hero. En plus une petite phrase pour me dire que tu m'as déglingué. Et on va continuer. Pascal for charging star science. Hein? Regardez-moi ce combo.
Bon, bah du coup, j'ai pas trouvé la touche tard, du coup, j'ai perdu comme une énorme bouse, mais ça va peut-être me permettre de changer le personnage. Parce que du coup, si je perds trop avec lui, on va peut-être essayer de tricher, d'en prendre un autre. Donc, game over. Voilà. Voilà. Today's result. Ah, résultat du jour. Bah, perdu, quoi. Spécial mauve, dommage, normal. Donc, on retourne à l'écran titre, on fait un mode arcade, et on va choisir un autre personnage. Donc, on choisit. Je sais pas. Je sais pas du tout. Bref. Iron Man? Je suis pas tellement sûr, en plus on retombe sur Spider-Man. Oh, Iron Man, c'est l'armure, c'est les... On va peut-être pouvoir attaquer à distance, ils sortent pas trop se faire déglinguer. Les autres, bon, j'ai pas trop confiance. J'aurais bien pris Spider-Man, mais un Spider-Man contre Spider-Man, je sais pas si ça le ferait. Allez, on va faire un petit Iron Man. Oh, il arrive dans sa petite fusée qui n'est même pas incorporée à son corps. C'est bizarre, c'est pas comme dans le film. Il arrive sur un truc à part. Donc, alors, je vais essayer de lui faire mal. Alors là, pour l'instant, il vient de me faire gros bobo. J'essaie de tester un peu mes attaques que j'ai. Allez. Pour l'instant, j'évite surtout. Lui, il m'attend, il est à ras le sol et il m'attend. Dès que je vais me... Baisser ma garde, il va m'en mettre plein la tronche. Je suis frénétique sur mes touches. Je commence déjà à en avoir mal au doigt pour vous dire à quel point j'appuie fort sur mes touches. Bon, on va essayer de lui mettre le premier round dans la tête, comme ça on aura un petit tour d'avance. Bon, y a des chances, si je me fais tuer là maintenant, c'est pas un problème, je pense. Voilà. Allez, il te reste pas grand chose de vie. Ah, il m'en enlève. Vas-y. Voilà, c'est bon. Je lui ai envoyé un petit truc là, une sorte de missile. Il est bizarre quand même, Iron Man. Hein. Il a des muscles, bizarrement. On voit les formes de muscles. C'est très bizarre. Très, très bizarrement fait. Je sais pas si on a le droit de dire bizarrement. En tout cas, je le dis. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il a chargé les petites boules. Reality, qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit faire plus mal, je sais pas. Il avait une sorte de petite boule d'énergie. Alors là, il est en train de me dégommer par contre. Ma vie vient de me chuter de plus de 3 quarts en quelques secondes. Bah, allez, on va essayer de le tuer. Une deuxième fois. Allez. Allez, non. Oh non, je veux pas perdre. Ah non, c'est bon. Ah, j'ai cru qu'il allait me remettre un coup. Et non, c'est bon. Bon, on remarquera pas le décor du fond. C'est qu'il y a toujours les mêmes personnages qui passent. Allez, ça y est, j'ai gagné mon premier combat. On va pouvoir continuer si j'arrive à appuyer sur Start. Je crois. Oui. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça avait frisé. Deuxième ennemi. Pas beau, la belle pieuvre, je sais pas du tout son nom. Alors, Shumagorath. Ouais. Ouais, j'ai dû rater quelque chose dans Spider-Man, ou... Non, enfin dans Spider-Man, non. Dans les héros Marvel. Shumagorath. Ouais, bon bah, pourquoi pas. On va voir si ces 8 tentacules, ou je ne sais pas combien, suffiront à me battre. Est-ce un poulpe, ou est-ce une pieuvre? Ouais, il a une attaque assez spéciale, quand même. Imagine que jouer ce personnage, ça doit pas être la joie tous les jours. Yep. Oui. Ah, j'arrive à le descendre assez vite. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est pas comme Spider-Man qui m'a mis trop cher. KO, allez, vas-y. Déjà, premier KO. On va essayer de s'en faire un deuxième. Victory! Enfin, je sais pas, parce que y a marqué V. En dessous de ma barre, là. Ma barre d'énergie que j'arrive pas à utiliser, il y a marqué V. Et quand c'est l'autre qui gagne, c'est marqué S. Alors Victory, j'aurais bien, voilà, V, mais S, sad. En tout cas, c'est pas la défaite. Hein. Je sais pas. You are super... Tu es un super perdant. Je ne sais pas. Ah, mais peut-être... Bah non, j'allais dire S comme Spider-Man, mais non, bah non. Non, parce que moi j'ai un V, donc c'est pas V comme Iron Man. Ou alors j'ai raté mon alphabet. Et je viens de dégommer ce bonhomme encore une fois.
Donc, preuve que le premier boss était... Enfin, le premier combat était vraiment beaucoup plus dur que le second. Allez savoir pourquoi. Donc, je me suis battu de la même manière. J'ai pas envie de faire la traduction. I thought I am flunkies that were... Oui, j'ai un anglais de fou. On s'en fout. Alors, lui, je sais plus comment il s'appelle non plus. Je sais pas comment ça se prononce. C'est pas grave, le gros costaud avec une tête de champignon. Ou, pour les plus pervers, une tête de bite. Mais c'est pas grave, allez. Je suis un peu moins gros que lui. Pour l'instant j'avais des muscles. Et bah là il en a plus que moi. Et là il a vraiment une tête foreuse. Mais je l'ai déjà vu, je l'ai déjà croisé ce héros. Mais par contre, bon, le nom, c'est peut-être le nom anglais. Parce que je le connais absolument pas. Juggernaut. Juggernaut. Je sais pas. Traduction, allez savoir. Alors, pour l'instant, le seul constat que je peux effectuer, c'est que je me fais démonter la fouine. Non, j'allais dire la gueule, et puis je suis parti sur un F, et puis non. Donc, la fouine, c'est bien. Même si je n'écoute pas du tout ces musiques, mais je me fais démonter la fouine quand même. Allez. On va essayer de rétablir, même si je me fais encore défoncer. Le mec, il me fait des dégâts. Mais incroyable, quoi. Spider-Man, c'est du pipi de chien à côté. Regardez-moi ma vie, comment elle part. C'est sérieux, ça? Ah bah voilà. Ouais, j'ai fini. Allez, je lui en ai pas fait perdre beaucoup de la vie. Hein. C'est pas allé loin. Hein. Ah, j'ai déjà perdu. Malheureusement. Press start button. Alors, I'll told you, clones before... Ah, je sais pas ce que j'ai pas lu. Continue. Eh ben non, on continue pas. On va s'arrêter là. Et oui, déjà, hein, on je pense qu'on aura un peu fait le tour de ce jeu. Bon, il y a d'autres modes, il y a d'autres trucs, mais le principal est là. Donc, ce sera tout. On va s'arrêter là. Ce sera tout donc pour Marvel Super Heroes sur PlayStation. Et on se retrouve très bientôt pour les autres. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.